Et il prend Shiva. Oh, le petit joueur, il prend pas Kilgore. Oh là là. Oh là là. Ah, là, j'avoue, c'est Orphéa qui va être contente là. Ok, alors, on est bleu déjà, donc on a l'avantage au 1-1-1. Juste pas des Walking Dead. Ok, des squelettes, ça me va totalement. On a quoi? Oh putain, oh, on a le meilleur stat possible. Alors là, mais c'est... Là, ce truc-là sur Necro, c'est absolument insane. Hein. Alors. On peut pas passer là, c'est chiant. Mais on est obligé de passer là. On passe là. Je veux d'abord récolter du mana avant de passer par le puits. C'est juste pour aller plus vite. Oh! En vrai, foudre... Oh là là, si 1-1-1 pas, je suis trop content. J'espère qu'il va pas 1-1-1. 1-1-1-1-1-1. S'il te plaît, plus. Oui! Alors. On a un bunker, mais vraiment... Je sais pas si t'es worth de prendre la truc en vrai. Attendez, mais non! Là, sortir de la mine me coûte 141. Mais pourquoi la dernière fois alors c'est... J'avoue avoir du mal à comprendre. Vous avez bien vu, quand je sortais de la Syrie, la dernière game, c'était que 100 points. J'ai... Ouais, je comprends pas. Bon, c'est pas grave. J'ai pas pris ça, mais... J'avoue que, pour pas te savoir, ça va pas faire grand chose en vrai. Sinon je fais comme ça. Ah mais en plus faut que je sorte en bas. J'aurais dû prendre directement mon armée. Putain, en plus il va me manquer un point de mana pour pouvoir DD et TP le prochain tour. Ah c'est chiant. Bon voilà, on va vouloir faire ça nous. C'est chiant. Ok, on va sortir 1-1-5 mais au moins on aura une DD à dispo, ça va, vas-y, on fait ça. Parce que sinon on est trop faible, bon par contre ça on prend ça. Alors, Stronghold en face, pardon, side cove, mid tower, notre biome, on voit, ouais, on voit des demeures de tier 6, et on a un château side. Donc on a deux sides extrêmement puissants, cove, château, bon château c'est le meilleur hein, du jeu de toute façon, meilleur side. Je pense que je vais quand même build les vampires ce tour-ci. Enfin, cette semaine-ci. Ok, très très bonne sortie de bunker. C'est comme ça, ok, on va avoir pas mal de DD. Wow, belle box là, au pluriel. Oh, j'ai énormément de bois par contre. On va clairement faire ça. C'est génial d'avoir autant de bois. On a 2k5, donc on peut faire ça. Prochain tour. Ouais, je kiffe pas trop la route là. Heureusement c'est pas un truc infaisable sinon c'était la merde. On a une maison de vampire par contre faisable très 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 facilement. J'ai pas fait besoin de ça, c'est ça ouais. Effectivement c'est exactement ça ouais. T'as le necklace qui a tellement carré.
Ce serait bien qu'on puisse faire ça. Ouais, non, on pourra pas. Par contre, on peut double build vampire. J'avoue. Bon, après, si on fait ça, on n'a pas de mana. On se commit vraiment sur une game vampire si on fait ça. Et on ne s'endra pas en vrai. Dommage. Ok. Donc, changement de plan. Ça, on peut pas. Donc, on fait ça plutôt. Contact, impossible. Scouting, je suis super chaud, frérot. Ton portal de façon au prochain tour, enfin à la fin du tour, pardon. 410, donc go explorer juste. Si on était vraiment lente, par contre, pour finir le tour, c'est sad. Chier ces gardes. Ouais, je peux t'aider là-dessus après. Il faut les faire dans tous les cas. Donc en vrai, go faire ça. Ouais, non, on va pas faire de foudre. Ah si, c'est plus cost efficient en vrai. Par contre, on a un slow, mais on s'en fout un peu. Quoique, ça nous permet de jouer avant. Ah, c'est pas con slow. Slow, et après on a quoi? Ah, on a un seul slow. Ouais. On a slow et une magic arrow, quoi. Et là, ça me laisse plus de temps pour setup... que je veux. Ça me laisse un peu plus de tir aussi, c'est cool. Fais ça et puis c'est fini. C'est parti. Faut des gold à foison. Faire ça, c'est pas mal comme objectif là-bas. Je peux faire ça et Town Portal. En vrai, c'est pas dégueu les deux Tador là. J'ai encore fait une taverne sans Town Hall, exactement. Le clown, c'est moi. Bon, au moins, on va être plus rapide maintenant grâce à nos chevaliers de la mort. On passe de... 5 à 7 en mouvement. Salut Jurisson! Bonsoir à toi. On peut
Estate et ça, ok. Ça, maintenant qu'on a ça, ça devrait être plus simple. Après, c'est quand même relou, là. On veut trouver le conflux, en plus. En vrai, je pense que ça, c'est pas mal. Et ouais, stack ne dérange pas de Dread Knight parce que, dans tous les cas, ils vont pas m'en tuer. Hop. Super, ça rend tout beaucoup plus simple. J'ai bien fait de le faire en vrai. On veut de l'économie, hein, donc les créatures banques, on veut évidemment les faire. Entre les chevaliers noirs et les guerriers squelettes est assez plaisant, pardon. Le moral, c'est dommage. On aurait pu éviter ces pertes sans cette malchance, mais ça va, on en récupère 11, c'est quand même pas trop mal. Hein. On a fait un bénéf au final de squelette. Parce que ouais, expert nécromancie, ça commence à vraiment stack. C'est pas des lol, comme on dit. 6 squelettes. Triste de pas atteindre, mais en vrai ça va. On a quand même une DD. Ah, quoique, on n'a pas EDD et TP. Donc, ouais, non, c'est triste de pas atteindre. Wow, ça, par contre, c'est gratuit. Ça fait trop plaisir. Au niveau de l'income, là, on va un petit peu développer là. Là aussi, je pense qu'on va. Je sais pas si j'ai envie de faire tant que ça d'income. Non, je pense pas. Ça. On va aller développer la guide des mages ce tour-ci. Ça c'est... Aucune question là-dessus. Super, il me faut beaucoup de pierres, donc ça fait plaisir. J'ai pas envie de payer pour avoir du savoir là actuellement, je pense. Putain, je peux rien faire. Je veux faire ça pour collecter des squelettes. Et plus d'XP quoi. C'est dommage mais bon. Il n'y a rien de mieux à faire. Puis bon, ça m'écho du timer. On pourra faire ça, on va pas le faire tout de suite parce qu'on veut... On veut les gold et tout. Ici, il me faudra juste... Ah ouais, quand même, aussi il faut mausoléum. C'est cool qu'on ait du soufre. Ça nous permet d'avoir le soufre pour double build de mausoléum, pour double build All of Darkness. Il nous faut du bois et de la pierre mais on n'est pas trop mal, j'en chope pas mal. Oh, il m'en faut 10 là, mais là il va m'en falloir beaucoup plus parce qu'il m'en faut... Enfin non, il m'en faut 10 là, pardon, de chaque. Mais là il va me falloir 15 de chaque, plus encore 5 pierres, donc 30 pierres. Pour là-bas tout seul, donc... Il va falloir commencer à stacker là les dwellings de Chevalier de la Mort. En plus... Ah oui, en plus c'est vrai qu'il y a ça, ouais, bon, on va peut-être pas réussir à double build. C'est pas grave au pire des cas. Aussi avoir la terre, ça va me permettre d'avoir slow. Ce qui est évidemment complètement OP, comme on l'avait vu avec Grindan. Même si là c'est pas avec des tireurs, ça reste extrêmement puissant. Alors. C'est vraiment triste de pas trouver de maison de chevalier de la mort là. Il y en a 6 garanties dans le biome. Je veux TP à Agony. Non. Agony, non. Agony, non. Agony, oui. Ouais, de toute façon, en vrai, j'aurais pu laisser
Oh non, tout en vrai. J'aurais dû laisser en auto, c'est pas grave. Ok. Mais on n'a pas de DD plus TP au prochain tour. Ah, c'est chiant! Attends, mais il est slow là? C'est une blague, c'est comment là? Encore une fois, j'aurais dû prendre l'auto. Ça va. On a perdu moins de squelettes et en vrai, c'est les squelettes qui vont être notre second power stack. Donc, ça va. On a perdu moins, mais c'est quand même con. Ouais, on galère en termes d'écho. Putain, on est tellement lent, c'est abusé. Dragon noir. Alors, merci beaucoup pour le follow, je regarde dans un instant. One shot, non, dans tous les cas. J'espère. Ah non, putain. Parfait, on a fake breath. Donc ils ont craché que sur les zombies en croyant qu'ils pouvaient cracher sur les deux. C'est une mécanique assez avancée, mais incroyablement puissante. Ok, alors. Bon, maintenant on a choix. On peut choisir de DD ici et de pas prendre la ville là-bas. De TP ici, pardon. Mais le problème, c'est que mes prochains tours vont être faibles. Là-bas, mais c'est risqué. Non, en vrai, c'est pas forcément faible. Vu qu'on vient de récupérer le truc plus 4 savoir, ça peut être fort. Faut faire ça, dans tous les cas, on va le faire. Je pense qu'on va pas réussir un double build là. Je pense que ce serait se voiler la face. Donc on va jouer une game plutôt clean en assurant un truc bien plutôt que de tenter un truc très bien mais qui a de grandes chances de foirer et de niquer la game. Ok, alors là, il y a une double box. Après, j'ai vraiment envie d'atteindre ça ce tour-ci. Ouais, c'est bien, en vrai c'est bien. Ah, c'est cool ce que j'ai fait. Le bait va donc passer. Ça va être ultra easy grâce au terrain. Ah, il est obligé. Là, il n'y avait aucune RNG. C'est de la pure manipulation d'IA. Ouais. Il passe là mon truc. Nickel. Enchaîne là, je pense. On a masse slow. C'est bueno. Si on pourrait citadelle prochain tour, on avoir un de plus. Alors qu'est-ce qu'on a? On a un puits. On peut DD sur le puits. Ce serait pas une DD maximale par contre. Mais bah, quoique en fait en plus ouais non on n'a pas besoin vu que après on peut être un portal dans tous les cas. Bon, en tout cas on a des beaux breaks là.
Alors ça, faut retenir, ce tas de naga est moins puissant. Celui-là, on a vu qu'ils sont 20 à 49, alors qu'eux, ils sont 50 à 99. Donc quand la semaine va passer, certainement que ça passera à 50, mais ils seront quand même moins que les autres. Faut retenir. Ah par contre, faut que je prenne magie de l'air, vu que j'ai beaucoup de mana. Ouais, je vais juste aider le plus loin possible, je pense. Ah, alors ça, c'est unlucky de ouf. J'ai pas vu combien d'XP il me faut pour level up. Non, je veux pas prendre de risque, je veux pas level up. J'aurais pu, c'est pas grave. J'ai dit, je préfère assurer. Ok. Après, j'ai pas assez de gold pour les recruter direct, mais je m'en fous. Je vais faire une ou deux créatures bank. Ou même une utopia. Hein. Là, ça se fait clairement une utopia. Dès que j'aurai un petit peu plus justement de Black Knight. Faudrait que je fasse ça, faut que je passe niveau 10 puis que je go Utopia. Donc pour me faire beaucoup d'XP et de gold pour justement pouvoir faire l'Utopia, il faudrait que je fasse de la Naga Bank par exemple. On a 6 à recruter, en vrai c'est quand même pas mal. Enfin on en a 4 potentiellement instant, donc on en a 12. Pour les Naga Bank et autres, c'est monstrueux. Alors ouais, j'aurais dû introduire mon perso dès le début. Ah, attendez, waouh, c'est vrai, j'ai loupé, désolé. Attendez, chaque chose en son temps. Alors, effectivement... Putain, comment je peux voir... Attends, mais je suis... Voilà. Merci SSJ White Rabbit pour le follow. Bienvenue à toi. Bonjour, bonjour le chat. J'étais découvert sur YouTube et du coup me voilà. J'ai découvert Heroes 3 quand j'étais en primaire, en CM1. J'étais effrayé par un stack de 3 Scorpicors. Et puis j'ai joué à tous les Heroes suivants. Regardez le gameplay. Ah, regardez le gameplay me rend trop nostalgique. C'est un plaisir. Oui, j'ai 34 ans, je suis vieux. Franchement, 34 ans, crois-moi que t'es dans la norme des joueurs de Heroes 1. C'est plus moi qui suis un Jones, quoi. Moi, j'ai 25. Et voilà, c'est ça. C'est la moyenne d'âge basse. Let's go. J'aimerais bien la faire celle-là, mais elle est tellement loin, c'est insane. J'ai pas de la Naga Bank à porter là. Putain, j'ai rien. Ah, le biome est pas ouf quand même là. Je fais vraiment ça, je fais vraiment juste un tour avec une Naga Bank. On dirait un. Oh putain, j'ai mal d'aider. Je me suis précipité. ...496, donc je peux faire ça. Ok. C'est cool qu'elles soient nombreuses en réalité. Par contre, j'espère qu'elles sont pas non plus trop nombreuses. Mais bon, après j'ai ma slow quand même pour les gérer. Boum. Ouais, on va finir dans un dans une ville de toute façon, donc on va faire ça. Et c'est pour accélérer un peu, tuer deux stacks d'un coup. Ok. Oh, excellent. Ok, excellent. On va retourner là-bas. On va prendre notre...
notre level là-dessus quand même, non? J'espère. De toute façon, on n'a pas le choix, on peut plus redéder donc. Attends. Ils ont 40 PV, ça fait au moins 2000. Ok, donc s'ils sont exactement 50, je level up pas. Mais avant la semaine, ils étaient 50, donc ils sont au moins 55. Donc il me faut au moins 2200. Et là, ils me font level up. Donc dans tous les cas, c'est bon. J'ai 22. On n'a pas dit qu'il n'y avait pas plus jeune que moi, mais... Oui. Oh là là, mais non, mais... Oh, c'est trop... Oh, l'entrée en splendeur. Incroyable, merci beaucoup. Merci beaucoup, beaucoup. Oh, vous êtes tous tellement généreux avec moi, c'est insane. Bah du coup, tu as débloqué une émoticône que tu peux utiliser sur Twitch. Voilà, exactement, celle que Calvin vient d'utiliser. Donc c'est mon cage, c'est une reprise d'une émoticône... Qui s'appelle Moncas à la base, qui signifie la peur en gros. C'est les gens spamment ça sur le chat quand y a un truc flippant. Et moi j'ai fait une version remixée à ma sauce. En vrai, bon, la liche, je pourrais la tèche, mais c'est pas grave. Je pense que je reste dans mon biome et je me fais un power pack de zinzin. Ça me tente bien. J'aurais dû approcher mes one stack. Ok. D'accord. J'avais peut-être sous-estimé la tankiness de mes trucs, ils ont perdu 20 PV. Oh la dingue. Oh non, mais gros. C'est quoi mid déjà? Tower. Mon tower, ça se joue, chérie. Vas-y. Putain, j'ai quand même le seum. Ok. On fait l'Utopia, elle est où? Elle est là. On va retourner du coup ici. On va upgrade. Ça. Ok, je pense on peut, hein. Non? Oh là là. Hop. C'est pas grave. C'est bien de prendre ces box en gros avant l'Utopia parce que ça me fait ce qu'on appelle de la mythe, donc de la chair à canon quoi. Il passe par où? Ok, super, c'est ce que je voulais. Il va taper dans mes zombies. J'ai pas fait de one stack et c'est con. Bon, de toute façon, eux ils sont vraiment faits pour mourir. On peut. Hop. Ok, ils vont se faire focus, c'est cool. Faire ça, prochain tour on a double DD plus TP, donc c'est pas mal. On va commencer à développer ici aussi. Donc on peut faire ça. Ça. À la limite on peut DD ici pour le faire avant, mais ça va pas être une box intéressante. Je préfère faire ça, ensuite... En double DD pour choper ça et potentiellement la ville. Attends, on l'a vu ou... Ah non, non, c'est... Attends. Ennemi speed. Oula, attends. Mais c'est peut-être pour ça aussi que je les voyais pas. Mais c'est ça, on dirait qu'on l'a vu. Genre, ça devrait pas faire un truc bizarre comme ça quand je spam. Bon, c'est pas grave. Alors, désolé, du coup. J'ai pas lu. Un grand plaisir, j'ai maté toutes tes vidéos, c'est donc normal que je te rende le plaisir apporté par CC. Bah, tu le rends super bien. J'ai pas joué depuis 10 ans, et là, avec les connaissances que j'ai eues grâce à tes vidéos, je suis 1000 fois plus performant. C'est super. Ouais, l'adversaire exactement, c'est du Shiva old school, quoi. Il a pas voulu go sur
le nouveau Kilgore. Ouh, oula, oula là. Ok, il a pas encore break, il a juste énormément de... Ah si, il a break. Ah non, 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 il a pas break. Il a juste du Utopia et avoir un glaive en vrai, c'est pas si inquiétant en vrai. Putain, c'est... C'est une tier 3. Super. Oh putain, t'es sérieux là? Putain. Pas de chance. Ça avec ça pour prendre la riposte. Tu montes là. Putain, je suis trop con, faut mettre juste un skin. Putain. Le double dégât, c'est quand tu veux, mon pote. C'est vraiment quand tu veux, mais de préférence maintenant. Je suis deg, j'en ai perdu un. Ok, bon, par contre, c'est une belle récompense, du coup, forcément. Deux chapeaux, ça fout le seum. C'est pas grave. Voilà. Un. Oh oui. On va s'arrêter là. Attends, non, on peut pas. Sinon, on va pas pouvoir build de guide des mages ici. Bon. Par contre, je suis un ouf de pas avoir fait ça. Ok. Il me faut du souffle pour Mausoleum. Je vais. Quadruple build marché prochain tour. Non, triple. Par contre, j'ai une magie. T'as peur. J'étais en train de me dire trop bien Art via Skillgore, mais non, Shiva, tant pis, ouais, de ouf. Pose une question difficile aux viewers. Le premier qui répond juste à un gift sub si je n'ai pas la réponse. Prends ton temps. Non. Oh là là. Là, faut que je pose une question de fou. J'en ai une qui me vient. J'en ai une qui m'est venue. Je vais réfléchir à une autre parce que celle-là, en vrai, je l'aime pas trop. Vas-y, je vais réfléchir. Ah. Attends. Attends. Ok, ça me perturbe trop là. Tu m'as trop perturbé. Attends, attends. Oui, tu pars. Excusez-moi pour ce petit brain lag. Ok, c'est bien ça. J'en génère beaucoup plus que je n'en perds. Donc on va le marché par contre. Ici on peut déjà faire citadelle pour pas perdre le tour. Super. Ok alors. Hop. J'ai combien là? 800. Donc 200. Boum. Putain, il y en a un là-bas. Merde. C'est la première fois que je combats une créature bank dans ce sens-là. Ok, tactique, pourquoi pas. Hein. Tactique, je suis chaud en vrai avec mon armée.
Super. J'ai pas dû faire ça dans tous les cas, mais c'est pas grave. J'espère qu'il a pas encore break. Bon, là on va avoir une production absolument titanesque de Dread Knight, voilà. On a les 6 external dwellings de notre biome. Donc on en a 9 x 2 à produire. Ça on le fait prochain tour. Ensuite on fait ça. Bois et pierre, va falloir les trade malheureusement, mais c'est pas grave. Ah, quoique je vais faire une stockpile. La stockpile va être extrêmement easy en splittant les trucs en 3. Alors. Un truc 5, c'est goût d'aussi. Je suis vraiment pas un pro, il faudra juste me croire sur parole si je connais la réponse. Mais là, je jongle aussi avec la découverte d'Ota, les campagnes et scénarios. Je suis comme un gosse. Je ne sais pas pour ce duel à réfléchir. Je n'ai aucune idée de mon niveau en plus. Là. Ah, tu vas voir, c'est très très chaud au début du duel. C'est très space. Hein. Ah, mais oui, mais ah, si, oui, tu t'entraînes un peu vieux. Bah, du coup, si, tu devrais être pas mal. Mais d'où c'est ça, si tu connais la réponse, tu pourras la donner. Eh, hey, je pourrais sortir Valley Fact de base, mais là... Attendez. J'ai une question, elle est tellement dure. J'ai une question, elle est beaucoup trop dure en vrai. Ok, si, vas-y. Ouais, non, là c'est... Cyril, je pense pas que tu l'aies. Hein. Quand on laisse des gardes dans une mine, il y a des... en gros, pour que l'adversaire prenne la mine, ça va forcément faire un combat. Il y a deux mines... Autre que les mines abandonnées, ça, on s'en fout. Il y a deux types de mines qui prennent tout le temps part dans le terrain souterrain. Dans le subterranean, quoi. Souterrain, c'est-à-dire en mode... voilà, ça. Tu combats comme dans l'underground pour deux types de mines quand tu laisses des gardes dedans. Quels sont ces deux types de mines? Ah, moi, on me dit, hein. Moi, je... Ah, je vous ai dit, ça va pas être facile. Si je vois pas la bonne question, la bonne réponse, je dis rien. Si, en gros, il y a deux types de mines seulement, qui, quand tu laisses des gardes dedans, créent un combat systématiquement dans le souterrain, même si elles sont sur une plaine, les mines. J'espère avoir été clair cette fois. Ah, je peux pas. Ah non, là, ça va commencer à faire beaucoup là. Attends, mais... Oh putain, j'en ai un autre là, j'avais même pas vu. Ah non, bah j'ai fait de la merde là du coup avec mon mouvement. Ok, logs. Attends. Ok, prochain tour, je peux faire DD ici, boum, DD ici. Ok, c'est pas mal. Oui, mais du coup... Oui, bah oui, mais ça génère tout le temps un... Oui, mais... Cyril, forcément ça génère un combat. Mais
Je te dis que si la mine est sur de la... ici, tu vois, sur de l'herbe, il y a la plupart des types de mines, le combat qui se générera sera sur l'herbe. Mais il y a deux types de mines où il y a un bug qui fait que ça prendra toujours place dans le terrain du souterrain, genre. Dans la battle map, genre les créatures donjon auront plus 1 attaque, défense et speed. Ah, tu t'es fait ban un message. Attends, j'arrive. Oh, le message. Ah, tu pars du terrain. Oui, je pars du terrain. Ah oui, il a écrit en caps. Mais bon, vas-y, tranquille. J'ai peut-être mal expliqué la situation. Désolé. My bad, du coup. J'ai fait chauffer ma bouche, je vais même pas aller la chercher depuis tout ce temps. Ah, Inkoko, t'as déjà donné ta réponse, hein. Est-ce que tout le monde a voté, a dit ce qu'il voulait? En vrai, je vous dis même pas s'il y a la bonne réponse. Ouais, mais bon. Non, j'avoue que c'est pas une question la plus facile, quoi. Pas de limite de réponse, mais pas de spam. Ok, bon, vas-y, bah, continuons. Il y a personne qui a trouvé encore. Il y a personne qui a trouvé les deux, mais bon, après ça va prendre 1000 ans parce que vous allez devoir faire tellement de combinaisons. Non. Aucun de tout cela, mes amis. En vrai, j'avoue, bon vas-y, le premier qui trouve, du coup. Mais après, comment on définit spam, tu vois? Genre... Non. Oh, Jurisson. Or et cristal. Exactement. Regardez ce petit fact. Et du coup, Jurisson qui a dit or et cristal. C'est exactement ça. Par contre, il a mis un temps fou là, il a break, non? Oui, il a break. Oh là 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 là! Merci beaucoup. Bah, du coup, merci pour lui et pour moi, quoi. Merci avec un S. Du coup, j'ai dit que j'étais là. Ok. Merde, j'aurais dû fight pour avoir des squelettes. Ah si, je peux. Ouais, on peut. Super. Et on va DD pour le break. Enfin non, on va break à 1-4-1, je pense. Enfin, je sais pas, on est tellement puissant, en vrai. Ouais, je sais pas, j'ai... Les 20-49, ça va être tellement easy, genre je peux DD directement, quoi. Enfin, je peux break directement. 21, c'est plus qu'assez, quoi. On va voir si on peut double but de château prochain tour. Bon, du coup, en fait, on va en avoir beaucoup plus. On va en avoir 20 par semaine. Sachant que si on collecte les dwellings, ça va faire encore plus. J'en devrais en avoir 4. Faudrait juste que je me fasse des stats pour pas perdre s'il me tombe dessus. Mais en fait non, faut juste que je me fasse de la magie et je suis déjà très très fort en magie. On a un tome d'eau en vision, mais en visu, mais c'est pas ouf. Tome de terre, c'est déjà pas trop mal, une pluie météore.
Atom de terre, on a un pog et la librairie, ouais, on a une super vision sur le biome, on le voit exactement le château et tout, franchement c'est. Ça donne vraiment envie ce side château. Mais bon. Nécro château, c'est pas ce qui fit le mieux. C'était horrible à comprendre, mais. T'as posé cette question, m'a pété le crâne, désolé, en vrai j'avoue que. Mais en fait j'ai eu que des questions à la mort moelle nœud comme ça. Je peux vous en faire d'autres si vous voulez en vrai, pour juste le fun. Mais en fait je voulais un truc vraiment dur. C'est tour au milieu, ouais, c'est tower, c'est pour ça que j'ai pris archerie, parce que si tu développes tower et que tu focuses du titan, c'est monstrueux titan avec archerie. Si tu go sharpshooter, ils font tout le temps 50% de dégâts en plus, c'est. C'est monstrueux quoi. Et sachant que j'ai là, j'ai le 15%. Là j'ai le 10%. Il manque juste un truc. Donc ça peut être sympa. Si je vois l'arc à un moment, ce sera à envisager. Alors je passe comment pour le break? Je vais essayer d'utiliser une seule DD. Ah non, c'est pas possible. À moins que je fly. Hop. Dommage que j'ai déjà le collier. Je pense que ça va être un massacre. Hein. Je m'asslow et puis. Ah voilà, un one shot, donc c'est parfait. On tape là, on remonte en haut. Elles peuvent pas reach. On remonte tout en haut. Sauf un. Comme ça, on peut wait. Reach rien. Et on retape deux fois. Easy de ouf. Quand tu sors de Wayfarer, c'est pas le genre de combat qui te font peur. On va faire la même chose en principe avec eux. Sauf qu'ils sont 4 stacks, donc ça va être beaucoup plus simple à gérer. 1. 2. Hop là. J'en ai une autre ou pas? Non. Merde. Ah si, c'est bon. Ok. Donc on a un château là. Sinon je double but de ça. Non, je les ai pas pris les dwellings, ça sert à rien, ça n'a pas de sens. Donc on en a 21 par semaine. Toujours plus. Ok, il est par là. Je vais aller à mon break naturel. Choper la ville. Ouais je pense. Chaussures qui mettent bien, les stats montent. Faudrait qu'on trouve logistique en avancée plutôt que tactique, ça nous aiderait beaucoup plus. Je pense qu'il va vers le side. Enfin, il va vers le side, mais je pense qu'il va aller vraiment jouer side. Mais ça, ça me donne un avantage d'avoir la vision. Une belle vision sur le side. Ça me permet de voir ce qu'il fait et tout, c'est quand même intéressant. Tu vois, t'es fort, tu peux bien easy du coup. Oh, c'est cool que vous fassiez des 1v1. Ouais, je vous conseille effectivement de faire sans timer parce que vous allez vous rendre compte que... C'est une dinguerie. Les premières fois où tu mets du timer, ça te fait péter ton crâne. J'ai limite envie de le rush si je trouve des artés de spell. Parce qu'on va être monstrueux. Est-ce que lui me rush? Il a rush mid, ok.
Oh. Ouais, du coup, c'est con que j'ai pas pris mon armée. Et là, du coup, ça m'arrange qu'à moitié de les... Les fights maintenant. sans restants. J'ai deux pièces, mais en vrai, Elixir of Life, ça sert à rien sur ma... Putain, je suis trop con. Mais je suis trop con, putain. Ça sert à rien, j'ai déjà des colliers. Je voulais faire ça pour avoir un collier, mais... Mistakes were made. Oh, du coup, je perds quand même tous mes squelettes, c'est chiant. Oh non, j'en avais pas. Ok, donc je vais faire un. Boum. On va même faire ça. Deux. Ah non, putain, il va falloir aussi faire une guilde des mages là-bas. Ouais, du coup, non, go pas upgrade les. Les books, ça va me mettre dans la merde. Ici, on fait. Ah, mais je l'ai déjà là! Hop! On va essayer de développer Stables le plus vite possible. En vrai, s'il me rush, je suis pas bien. J'ai rien du tout là. Ouais, il a tout intérêt à me rush là. Il a 40 d'attaque, frère. Il va me one shot. S'il m'attaque par le bain, je suis dans la merde parce que je pourrais pas aller choper le tome. On a quoi là? On a rien d'intéressant. Putain, le collier plus 3 partout, on l'a vu 8000 fois. On a les flèches encore une fois, mais nous c'est plus l'arc. Mais de toute façon, on n'a pas encore d'intérêt. Faudrait que je trouve une SOJ. En plus du bouclier, et là je ferai un peu plus peur. Je pense que je fais ça. Boum, je prends plus 4 partout, je prends la bague plus 1 plus 1. Pourquoi ça, ça me fait peur, à chaque fois on dirait que je vois l'IA, l'adversaire. Aucune idée pour Wayfarer. Franchement, moi je suis grave chaud de continuer. Hein. Bah ce soir, tu vois, typiquement, en début de soirée, j'ai laissé un... J'ai mis un sondage pour savoir ce que les gens préféraient entre Duel et Wayfarer, tu vois. Donc je suis vraiment chaud de continuer, tu vois. C'est juste... si les gens préfèrent voir en live du Duel... Alors je ferai plus du duel en live et du Wayfarer offline. Il me rush pas, ça me rassure de ouf. Je devrais mettre des one stack contre l'Enix, en vrai c'est un peu du troll. Alors, hop, hop, non, on va faire comme ça. Je vais pas être à portée des autres derrière parce que j'ai peur qu'ils m'en tuent un. C'est pour ça que j'ai attaqué de cette façon.
Bon, j'ai plus, on est d'accord. Oh si, j'en ai une. Dommage, ça va être une petite box. C'est bien en vrai de faire un power stack. Et puis en one stack, c'est monstrueux, ça évidemment. Ça fait partie des meilleurs one stack du jeu. Si ce n'est le. Ok, on fait ça. En plus, on est rapide enfin. En parlant d'être rapide, on fait. On va faire ça d'abord. On n'a toujours pas le. Ah si, on a le 1 pour 1. On va faire stables et. Enfin, blacksmith et stables du coup. Hop. En vrai, ma magie fait peur. Et lui, il a pas de magie. Donc, je pense qu'il va attendre d'avoir de la magie avant de me rush. Alors déjà, moi vraiment, ceux qui me disent, ils sont désolés de poser des questions, c'est qu'ils sont pas encore habitués à la chaîne. Il y a pas de souci. À aucun moment, à aucun moment vous dérangez avec vos questions. Moi, je suis trop content de répondre à des questions que ce soit sur Heroes ou quoi. Enfin, il y a aucun souci. Donc vraiment, t'inquiète. Je suis désolé de poser des questions. Mais... Ah non. Prends temps pour ton duel. Mais vas-tu stream du Heroes 4, 5, 6 plus tard? Alors j'ai déjà fait pas mal de streams sur le 4. Enfin pas mal. En gros, je fais une map challenge qui s'appelle Draconis. Et... C'est vrai que je poste pas les replays sur YouTube pour le coup de Heroes 4. Mais je pourrais les poster en bonus en fait. Mais du coup, bon, j'ai déjà commencé cette map là sans... Du coup, je la ferai... je le ferai pour les prochaines maps à l'avenir. Les Heroes 5, j'aime bien, mais... Genre, je trouve impossible de battre l'IA en maximal. Et du coup, ça me frustre parce que moi, j'aime bien jouer tout le temps dans la difficulté maximale dans mes jeux. Et je trouve ça vraiment impossible dans Heroes 5. Tu te fais oblitérer, aplatir, machin. Surtout jouant en 5.5, donc c'est un mode qui rend le jeu encore plus dur en vrai. Et du coup, c'est ça le problème. Moi, en vrai aussi, j'aime beaucoup le 5. Mais juste, c'est trop dur de jouer en impossible en fait. Genre, c'est une dinguerie. J'aimerais un stream, mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui regardent. Ça, après, on s'en fout, non? Enfin, je sais pas. Après, oui, non. C'est, évidemment, c'est mieux si t'as des gens qui regardent. Mais... Commence, et puis tu verras si ça prend, quoi, je veux dire. Bon, en tout cas, je peux que t'encourager, perso. Ok, ici, Tomid, c'est génial. Pour pas oublier. Alors le but Ah le con, j'ai fini sans guild des mages. Ah, du coup on peut slow, c'est parfait. Fume-moi ça, voilà, merci. Oh, j'ai double château. Oh, si je joue château side, mais je suis monstrueux là. On va faire ça. On va acheter un petit comme ça. Faire ça, faut que je fasse une utopia pour mes gold. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal, il me faut une SOJ par contre. Vraiment une SOJ. Ou alors je fais un Hunger Fist.
Je regarde, je fais le tour des artefacts, voir si j'en ai pas loupé. Des belles boxes assez proches. C'est que c'est peut-être un peu tard pour le side parce que je suis resté beaucoup de temps dans mon biome. En vrai, son œil est tellement bien placé pour lui parce qu'il sait que dans toute cette partie là, il n'a pas besoin d'explorer dans son biome. Il peut se focus vraiment là pour trouver ses dwellings. Enfin bon, c'est pas, non, en vrai, c'est pas une dinguerie, mais en vrai, c'est juste, je viens de penser au fait que vu que ça longe le désert, vraiment, tu sais que ici, t'as pas besoin de check en fait. T'as pas à te commit sur un côté, quoi. Qui n'aura rien. Et surtout, en plus, ça veut dire que du coup, de l'autre côté, il y aura forcément des trucs, quoi. Ou sinon, t'as tout dès le début. Bon, c'est encore mieux, quoi. Donc, la seule option restante est une option encore meilleure, donc bon. On pourrait... Cornu... Cornu avec les anges, c'est pas mal, hein. Mais est-ce que les anges à 2-1-1, c'est pas trop tard, quoi? Je vous pose la question, messieurs, dames. Attends. Putain, à un tour près, je pouvais faire les anges, en fait. Ah ouais. Oh, ça va vite, hein. En vrai, je fais les dwellings. Parce que si je triple build les anges, il va pas le voir venir. Donc si on se fight à 2-2-1, je pourrais avoir un gros tas. Après, les archanges, ils peuvent pas... Res les Dread Knight, et je peux pas faire sacrifice sur mes undead pour res des archanges. Ah, c'est vraiment pas ouf comme synergie, hein. C'est vraiment pas ouf. Est-ce qu'il fait un swap mid? Genre tower? Putain, j'aurais tellement aggro si j'avais de la magie, mais... Bon, enfin, j'ai le tome de terre, quoi. C'est pas transcendant. Bon, après 1k en 3x3. Je brawl, je mets Terror Shower. Peut pas être dégueu. J'avoue, en plus, là, je peux le fight maintenant. Genre cette semaine, je peux forcer un fight. Si je trouve une SOG sur la route. Après, j'ai le Gladius quand même. Je pense que je vais prendre le Gladius. Là, là. Je sais pas. Est-ce que je devrais le prendre? Ouais, je peux rush mid. Dommage. On a le Graal. Donc on a un peu de temps. Hop. Bon, là on peut le reach prochain tour. Ok, bref, alors. Attends. Mon logis, j'espère que t'en fais une après. Je relance une question pour un sub gift. Oh, j'avais pas vu.
Non, c'est un streamer qui pose la question. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Qu'est-ce que je sais? Ah! Attends, j'ai une piste. Je réfléchis à comment formuler ma question. En gros, j'ai la question en tête. Ok. Elle est plus simple celle-là, mais pas tout le monde l'aura, c'est sûr. À la limite, les gens pourront deviner, mais il y en a beaucoup qui ne le sauront pas. Genre, ils l'apprendront, même s'ils le devinent. Armorer, enfin pas l'aspect, hein, en gros, le talent armorer, qui fait que tu prends moins 15% de dégâts de toutes tes sources, et bugué dans le Heroes original, je sais pas si ça a été fixé dans OTA, on s'en fout, et il fait que tu prends plus de dégâts d'une certaine source. Quelle est cette source? Donc en gros, au lieu de faire moins 15%, il fait plus 15% de dégâts que tu prends dans la gueule. Par quelque chose. C'est par quoi que tu prends plus 15% au lieu de moins 15% avec Armoire? Ah bah c'est à vous de spécifier ce que tu veux, gros, hein, c'est... La question est posée. Premier qui trouve, je peux pas spécifier plus là, sinon ça va être trop simple. Ah, il a pas de troupe en fait. Ah, il n'a pas de troupe le frérot. Bah c'est ultra vaste. Ok, bah cite-moi la moindre source autre que celle que j'ai en tête alors. C'est toi-même qui as trouvé la réponse, mais t'es un peu spam, mais ouais. Dégâts des tours en défense, c'est ça. Je vois pas pourquoi c'est ultra vaste. Y a quoi d'autre que Armorer est buggé et augmente les dégâts? C'est ta quête. C'est qui Kalinit? Ah ouais, il l'a. Oh, j'ai pas fait un stack de génie, je suis un... Non, je suis un clown. Non, là, je mérite de perdre. J'étais déconcentré, je suis trop con. Ah, je suis... Ouais, je suis trop con. Par contre, on a une belle plume météore là. Je pense pas qu'il va décaler ses génies, je pense pas qu'il va jouer avec ses génies. Il a fait... From air, let's go! Il a pas vu la plume météore arriver. Il va wait. Ouh, ça c'est pas gentil ça. Me demandez pas d'expliquer ce bruitage. Je ne serais pas en capacité de l'expliquer. Et du coup, prochain tour, on peut Earthquake. Ah ouais? Ah bon? Genre vraiment là? Ok frérot. Alors là? Ça c'est en cas de chaîne d'éclair pour que mes génies prennent moins cher. Il m'a ouvert la porte le frérot. Je parle de Earthquake pour passer. Le bug m'a ouvert la porte.
peux reach n'importe où en plus avec la position, donc il est juste foutu. Bon d'accord, il a mental boom en fait. Il s'est dit faut que je tente tout pour le tout quoi, mais... Là il faut qu'il tente un one shot avec un spell, mais... Faut qu'il pue une météore qui tape. Mais jamais il fera ses dégâts avec une pue météore avec 18 de spell pot. Ou sinon faut qu'il chaîne d'éclair avec l'orbe d'air, que ça fasse boum, 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 boum. Et dans tous les... Ah ouais non, il est anti-magie. Ah non mais il est anti-magie, donc il peut me chaîne d'éclair. Après il m'en a tué 8 quoi. Donc il y a 24 qui vont riposter plus taper. Enfin bah non justement, si la chaîne d'éclair, il peut gagner. Après il a peut-être pas summon. Ah tu vois. Ah il a chaîne d'éclair quand même hein. Ah il va peut-être me battre hein. A voir. Ok, j'en ai quand même ouais. Ouais bon. Ah oui non mais il y a... Ah bon d'accord.